Allez, prends le train pour aller au boulot. Oui, il y a des emplois en voiture à Saint-Thé. Saint-Thé, c'est trop la merde pour aller au boulot, surtout là où il va au boulot. Et comme il faut qu'il pose sa grande et son petit à 8h30 à la avant 8h30 à la garderie de l'école, donc du coup c'est trop la merde. Bon allez, à toutes. À toutes, bon caca. À toutes. Yo. Je ne décolle la vérité. Putain, j'ai oublié de me mettre Big Bang Theory ce soir. C'est tellement bien. Hier soir, j'ai pensé à toi. C'était l'épisode où Sheldon, il est... Ah non, c'est pas Sheldon qui est malade, c'est Penny. Elle s'est foulée le bras ou je sais pas quoi, là, puis elle lui demande de lui chanter sa chanson. Wham, qui était soft, qui était little lover. Happy, qui était sleepy, qui était... Bien sûr, tu la regardes pas en français, dis-moi quand tu l'as. C'est tellement horrible en français. J'avoue, je me suis demandé à un moment donné si c'était vraiment la même chanson. Ah non, il faut l'écouter en anglais, bien plus joli en anglais. Eh ouais, mais il y avait pas la version anglaise à la télé. Monsieur Dor Chaton, incroyable chaton, petite coupe de poils. Mais bon, en même temps, c'est ce qui se dit, quoi. Oui, non, mais ouais. Je vais crever! Mais non! Aie confiance en moi! T'as vu ce qui me restait? Mais ça sert rien, ça! T'es mort! Non! Ma faute, s'il est épais, il y en a pas! Il faut pas qu'elle tank. La flip. Oh, attends, je suis meilleur que certains tanks PU. Hein. Moi, je tape la vie. J'ai pas peur. Faut avoir peur de mourir quand t'es tank. Après, tu me demandes pas de DPS, c'est tout. Je suis à 1004 là. Ah, ça ouais. Suffit largement, c'est bon. Eh, t'es toujours devant les DPS. Hein. Ah ouais. Non, quand même pas, faut pas exagérer. Ah bah, si je pense, hein. Non, mais je change jamais de stance déjà, donc ça limite. Oh non, tu tankes en défi. Oh mon dieu, Alix. Mais je sais pas jouer ce machin. Mais en fait, y'a pas. Mais. Mes défis, ça aide pas. Si, ça aide à pas crever. Mais non. Tu prends toujours aussi cher, c'est nul le défi. Alors, si je prends toujours aussi cher en défi quand t'es vivant, c'est qu'il y a un souci à. Ah mais tu prends toujours aussi cher hein. C'est juste t'as plus de PV. Ça réduit bien les dégâts normalement. Bah non. Non mais Alix, elle a vraiment jamais lu de sa vie. Quoi que ce soit sur le jeu. La dernière fois c'était Quel spell que tu connaissais pas. Je sais plus. Et puis ça te donne juste putain, un peu plus de PV. Je suis persuadé que ça réduisait les dégâts ça. Mais non, ça sert à rien. T'as un peu plus de PV mais... Ah oui, c'est que je tape moins fort. Ah. Putain, c'est que j'ai lu dans le mauvais sens en fait. C'est dit yes. Je tank mieux. C'est les paladins et les autres qui ont ça. Mais en vrai, ça alors, sert à rien. Alors, il va nous faire un point, reste pas là. Je suis au côté. Il même pas de ce côté. C'est pas grave. Après, il va faire sûrement une queue. Montre-nous ta queue, voilà. Je vais mettre un... Toi, tu restes à ton endroit, c'est bon. Ah, tu peux rester devant après. C'est que quand il fait, il charge ses bras. Non, mais justement, je me suis mis pile en face de lui. Ouais, bon, là, eux. S'ils me suivent, tant mieux, sinon ils meurent. Voilà. Ensuite, là, il va se tourner vers un de nous. Ouais, non, je vais mettre d'abord. Œil, on regarde pas. Non. Et non, en plus non. Elle va venir me taper, tu vois. Comme si j'en faisais pas déjà assez, tu vois. Elle veut me frapper, Alix. Elle veut me mettre des baffes, c'est pas normal. Je suis pas d'accord. Ah, tu vois, là, il me regarde. Bah, tu vois, c'est pas devant. Non, tu vois, ça se trouve. Bah, allez. Bien, il a dit... Ouais, tu fais domi toute ta vie et si t'as plus de pété, tu te plains au ninja.
Sauf qu'il n'y a pas de ninja, il n'y a qu'un invoque et un mage rouge. Ben... dans ce cas, t'es baisé. Du coup, fais moins de demi. Mais Equilibrium, ça rendait pété, donc en vrai, c'est tranquille. Et tu mets toujours œil, même s'il y a plein d'ennemis et que t'as envie de demi. Ce sera toujours plus rentable. C'est ça, œil est coupé. Et tu fais que décimate. Griffure, tu restes pas dedans. Et maintenant tu reset ton par si tu regardes. Oh, mais là, j'étais à 3 km. Après, il vaut mieux que tu lui passes à travers en fait. Jeu de merde. Exactement. Meilleur call du monde. Le jeu il est bugué quoi. On le regarde pas. C'est vrai, c'est. Mais putain. Enfin j'ai compris. Ah mais encore les mêmes et en plus ils vont se courir après. Regarde les trois abrutis. Et Griffure en plus vous êtes bien devant. Bim. Là l'autre elle est une petite loi parce que je l'aime on bien. Est sur Scala. Que. Scala. Le nouveau. La cité engloutie de Scala. Ah, mais oui, le nouveau. Donjon expert. Oh magnifique, il est trop fort, le gars il est resté. Vraiment pas de blé. Une seconde et je suis arrêté. Mais viens pas avec moi. Attends, ça te fait de l'effet Black. Quoi? Alors fais caca. Pas, non, gelé. C'est... Alors, c'est non, c'est dehors. C'est... D'abord fais caca. Pourquoi t'as dit ça là, Jean? Pourquoi t'as dit ça en deux? Bah quoi? Je sais pas. Ça libère de faire caca. Non, je suis sorti dehors chercher mes chaussures. Moi je me sens c'est comme ça que tu dis se faire caca dans ton patelin, ce mec. Allez, je sortir dehors chercher mes chaussures, les gars. Attends, tu crois quoi? Ça change de couler un bronze et tout, tu vois. C'est original. Il y a un top au guichet, qu'est-ce que je te dis? Angèle, quoi. Allez, je sais, unique. Griffure, il faut pas rester devant. Je vais l'éviter. Bon, par contre, les autres, ils y arrivent pas. Casser les peaux. Allez, hop, combien y'en a qui se sont retransformés encore? Et puis j'ai pas fini mon pot de fruits encore. Les griffures, cadeau, allez, les trois là. Une belle brochette. Mais non, waouh. Et hop là. Bon allez fuck, il reste 8%. Rien à battre. Remis la queue. LV Angèle, LV. Ouais, bah. J'espère que l'autre il va peut-être avoir l'idée de la claquer. C'est pas gagné. Sinon je vais être obligé de le soigner avec. Ben... allez. Oh, il arrête son collègue. Ah, merci Alix. Moi, tu vas le sauver. T'as vu ça un peu? Ce réflexe. Réflexe divin. Eh ben, l'albétant qui a rien de meilleur. Elle est tellement bien. L'albéli aussi est bien. Pas mal. Préfère l'albétant qu'à l'albéli, toi? Oh non, moi j'aime bien ma LBI. Ça dépend laquelle. Oh, j'ai dit Alix. Elle aime bien celle du War. Elle aime bien érectionner des murs. Je suis sur le temps, donc comme personne. Moi j'adore celle de l'Erudit. Moi j'adore celle de l'Erudit en fait. Alix, c'est la bonne réponse. J'aime bien celle du job sur lequel je joue. Moi j'aime bien celle de l'Erudit parce qu'à un moment la fée elle devient géante et elle reste. Mais il y a tellement peu qu'il la voyait cette. Ouais, c'est vrai que celle de l'érudit, tu la vois moins. En général, c'est le Outmage qui est. Alors que c'est la meuse. C'est la meuse. Tu verrais, la fée, elle est deux fois plus grande que ton truc bizarre. Que Garuda, pas Garuda, mais c'est quoi. Mais parle bien. Bah, Mute, il est tout petit à comparer de la fée. Hein. J'en doute. Et si, t'as jamais vu une LB3 hein. La prochaine fois qu'il y a une LB3, tu me laisses claquer. Tu verras. J'ai déjà vu pourtant. Mais je doute quand même. Ah bon? Un doute reboot. C'est ça. Allez,
pas tout faire. Voilà. Oh. Merde. Je suis pas bien. Oh. Un check de Miramix. J'ai rentamé mon pot de fruits. Je suis mort. Ah, il est déjà passé. Pourquoi j'ai fait ça, putain? Putain, mais c'était gratuit. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis qu'un con. Je te dirais bien que c'est parce que t'es nul, mais. Un con, il fait. Un cornichon A. Je ne suis qu'un cornichon A, putain. Con comme Emilien, nichon, je dis pas ça pour vous pétra. Et A comme A, cornichon A. Putain. Au raid en alliance, on a proc direct. Ça, c'est la pire c'est la pire fin du monde quand même. Le cornichon A. Mais non, tout de suite. Quand même, hein. Ils l'ont trouvé, hein, leur truc. Taxi, c'était bien pour l'époque. Ah ouais. Mais bon, c'est un nouveau taxi là. Mmh. Ouais, une j'ai époque vu. Époque lointaine. Eh oui, on a ce livre. Sans tout le monde. Ah bah oui, après. Sans Gibert. Ah, c'est bien dommage ça. Sans Emilien. Ah sérieux, Diffental il le fait pas? Non. J'aimerais bien comprendre pourquoi votre. Le faisait pas. Non, y a aucun des acteurs. Carrément. Pourquoi votre patron arrête pas de dire le mot Ninja? Mais moi je rigole toujours autant franchement quand je l'ai fait. Oh. Bon, sauf les derniers parce que les derniers ça fait un petit peu. Moi je trouve. Mais les premiers. T'as encore celle-là. Ah, attends, c'est dans lequel qu'ils atterrissent sur les Champs-Élysées au 14 juillet là. Ouais, c'est dans le 2. C'est dans le 3. Ouais, le. Let me think, et la voiture elle vole, il a les ailes donc. Ah, j'ai le 3 moi. Les premiers, c'est... ouais, c'est le 3. Il y en a une, c'est avec les Chinois et le 3, ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est bien le 3. C'est dans le 3, c'est le moutonnage. Ah non, c'est dans le 2. C'est dans le 2 où ils arrivent sur les Champs-Élysées. Avec le père bizarre, c'est avec les Shintok. Oui, des trucs qui sont armés là, juste pour machin. Ça. Si, j'aime bien quand ils sautent de l'avion avec la voiture, ils atterrissent juste devant le machin du permis de conduire là. C'est lui qui... Ah oui. C'est dans lequel ils sont sur le stade de Marseille. Mais l'autre, il sort. Ah, le 2, il vient de le dire. Il a dit que le 2, ils arrivent sur le truc. Ouais. Non, mais dans le stade, au début il commence au stade ou à la fin. Oh, j'avoue, je sais plus. Je me rappelle pas qu'il y a un bel truc intéressant. Mais merde! Si, il commence où ils finissent le film au vélodrome. Bah, je m'en souviens pas. Il y a pas un où il y a des. Il y a le Père Noël? Si, c'est le 4. Père Noël. Ah ouais. Avec le 4, c'est quand Gilbert il tombe dans la drogue. C'est ça. Avec les trucs en roller et tout ça. Hein? Putain, mais il se rappelle de ça. Avec le lance-roquette. Oui. Oui, avec le lance-roquette, c'est. Oui, c'est ça. Ah, ouais, mais t'as souvent, il est tellement con, lui. Que... Le 2, c'est, avec... c'est le 3 avec l'annuaire ou c'est le 2? C'est le 2, je crois. C'est possible. Ou le tape sur la tête. Celui que j'ai pas aimé du tout, c'est celui avec le belge là. Le mec qui est dans la prison là. Oui. Pas dans la prison. Oui. Je l'ai pas aimé celui-là. Non, c'est le 3. Bah, c'est lui avec la nuire, c'est le 3. Putain, Rio, il est en réunion à Paris demain.
ça va, pas... ils s'en foutent des embouteillages. Non mais y a pas son train. Ah, par contre il est dans la merde. Désolé. Bah tant pis, pas de réunion, qu'est-ce que tu... Je dis t'en fous, tu l'indiques à la maison. Mais franchement, je vais annuler mon billet de train. C'est un moine qui a poule. Angel, pourquoi t'as poule? Ah bon, on n'a pas joué. Ah non, on m'a perdu. Je te dis pourquoi t'as poule? Ils vont marquer keep the... Ah, c'est pas moi qui ai poule, le gars il a foncé devant, moi j'ai suivi. Après moi, il a qu'à tanker le tank. Il est parti. Après, ils vont marquer keep the monk. Qu'ils aillent se faire enculer. Ça m'a foutu, ils ont une main d'épaisse alors. Moi je sais quoi faire avec ma boule bleue, les autres ils tournent en rond. Heureusement que tu sais. Moi je sais. Utiliser la boule bleue. Là je suis en train de massacrer mon DPS parce que eux ils savent pas quoi. Ouais. Enfin t'es juste dernier. Ah oui, bah j'ai massacré mon DPS. Tu tournes avec tes boules. Et oui. Après tu vois, je vais me faire glacer. Je vais tout perdre. De toute façon le jeu il m'aime pas, je le sais. Je vais faire des scores de merde. Oh, merde. Le jeu de toute façon c'est joué avec des touchs en plus. C'est pour ça que Ladon il prend pitié et parle avec toi, mais c'est pareil. Je subis parce que je subis avec des touches. Voilà, ah, putain, on a tué les sentinelles. Ah, mais arrête! Putain, je suis en train de courir après quelqu'un avec le feu, avec une glace derrière lui qui avait un feu. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il part à l'opposé. Ça, moi je suis pas étonné. Mais tu fais quoi toi là non? On fait le 24. Putain. Non Rio, c'est ma boule. Ah, je me suis fait niquer la LB. C'est bien la première fois que ça, je me fais niquer une LB comme ça. Ah. Ouais. Pour le chat, ça. Ça, c'est pour le chat. Non, c'est des fruits secs. Ah. Je croyais que c'était des croquettes. J'ai pas de chat chez moi. Vraiment sec les fruits. On dirait des petites vis en plastique. J'en ai des boîtes complètes, tu mets pas en vis. De mon ordinateur que j'ai récupéré partout. J'aime bien quand il a rebondi là-dessus. Stylé. Je peux dire que ça fait quasiment le même bruit, ouais. Bah ouais, c'est ça, dans un bol en plastique, tu sais. Maintenant, je le visualise, c'est chiant. Arrête de manger des boulons. Pas le bender. Bender. Non, en plus, j'allais dire, c'est pas le bender, j'ai mangé des boulons comme ça, comme des chips. Et une bitch. Tu ramasses, c'était bien quand même. C'était trop bien. Ça, c'était avant. La meuf, elle avait trois seins, non? Trois yeux. Non, ah merde. Un œil et qu'un œil. Non, et qu'elle avait deux. C'était dans l'autre film alors. C'était dans le film avec Schwarzy. Mars, je sais pas quoi. Mars attaque. J'ai rien à voir avec Mars. Elle est comment s'appelle Non, c'est Layla. Allez, comment s'appelle ce film avec la prostituée à trois seins? Ah oui, putain, je vois Starship. Je suis pas sûr que c'est ça le titre. Ah oui. Allez. Putain non, je vois. Et qu'elle dit je voulais toucher. Putain, je l'ai vu, ça, c'est pas que Bruce Willis. Non, il y a Schwarzenegger, non?
Ah non. Ou Schwarzenegger. Eh ben c'est putain Total Recall. Voilà, c'est ça. Putain Total Recall. Jamais allé, vieux. Meilleure invention du monde. Film, il veut rien dire quand même. C'était ouais, donc ça. Total Recall. Ouais. Sérieux? Sympa. Ouais. Tu l'as revu ou tu l'avais jamais vu? Non, je l'avais jamais vu. J'ai pas entendu. Je l'avais jamais vu. Ah, ok. Parce qu'il y avait le nouveau là, là, pas le nouveau, le remake, qui sortait à la télé. Ah bon? Oui. Pas au courant. Mais enfin, ils ont fait un remake du 2014. Film ou... Ah. Bon, je savais pas. Ah putain, je suis pas passé comme il faut. Là ici, il y a plus de strates. Plus ça. J'ai donné une mauvaise idée à quelqu'un. Pourquoi qu'est-ce que t'as fait? C'est moi qui ai mis le premier, tu vois, un, deux, un... Sur les... Ah, moi je mettais le sens interdit. J'adore donner des bonnes vieilles idées aux gens. Mais des chiffres dans l'expert. Moi, on n'est pas dans l'expert, on est dans le Red 24. Ah, mais moi je croyais que t'étais tout seul dans le Red 24 et puis il était toujours avec Alix en train de garder Red. Quand même c'est pas. Bon, ils ont fini. Je l'ai laissé en plan. Avec. Ah. Elle est partie manger. Ah, l'appétit, hein. Viens t'en mangeant. Quand l'appétit va, tout va. Tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand la ferme là. Quand l'appétit va, tout va. Vous êtes et pas un bien. Un peu de sucre en poudre. Non. Il a tout mangé. Tout. Tout. Je suis ruiné. Dites-moi, j'ai une question. La bête. La bête. Elle était comment? Elle était comment? Oh bah bon, elle, oh, elle était bonne. Ah bon. Oh, c'est pas bientôt fini là, on aimerait bien dormir. Ah bon bah. Laissez passer à 38. Et vous êtes pas au nouveau courant. La nouvelle circulaire pour le laisser passer à 38. Pour le laisser passer à 36. Ouais, à la fin il pète un câble. Mais le porc. Je me dis que c'était pas là le porc. Ah c'est pratique. Et où est-ce que j'aurais étage? Vous êtes un sanglier. Je suis un sanglier. C'est pratique pour regarder pendant la nuit. Parosi, c'est pas. Parosiri, c'est pas rapide. Tu es un sanglier, je répète. Tu es un sanglier. Tu es un sanglier. Les oiseaux volent, bah, il va pleuvoir. Parle plein d'épices. Et Osiris. Je suis un sanglier. Tu es un sanglier, tu es un sanglier. Je suis un sanglier. Et quand ils sont dans la grotte, ils sont en train de jouer au tennis avec les têtes. Tune, tune. Oh putain, un peu de mieux, on était poussé de... Ouais, mais un peu de mieux, on était poussé dehors et là, les barrières se fermaient. Cadeau. Ah, de toute façon, le prochain, s'il voyage en Chine. 30 dans 3 ans. La roserie, c'est le pain d'épices. Les sangliers. Mais c'était pas... c'est pas ça, monsieur. Tu dois découvrir d'où vient la lessive des dieux. J'ai regardé ça mais avec mes... Oh là, un peu la lessive des dieux. Plus douce, plus souple.
L'autre fois j'ai regardé ça avec mes neveux et j'étais mort de rire, ils rigolaient même pas, ils ont dit pourquoi tonton c'est pas marrant. Ah si, ah. C'est magnifique. Dommage. C'est cette jeunesse hein, vraiment. Change de neveu. Donc, par contre regardez Peppa Pig, ça y est rigolait. Regardez quoi? Peppa Pig. Je sais même pas ce que c'est. Peppa Pig. C'est quoi? C'est un cochon. Ah, ah bon. Il irait pas plutôt Sam le pompier par exemple? Ah. je ne sais pas. On peut reparler des vrais trucs, tu sais. Sam le pompier. Par contre, les autres de la jungle. Ah, à la rescousse. Non là, mais... heureusement que j'ai encore des cassettes des anciens dessins animés, je mettrais Bob l'éponge et... Oh, si gosh. Tu kifferais, je pense, les âges de la jungle. Les âges de la jungle. Ouais. Je sais pas pourquoi au sérieux, c'est ça qui est bien. C'est trop en bonne qualité. Faut qu'ils plissent les yeux. Ah bah là, ils ont des yeux... Et c'est français en plus, je crois. Oui, oui. C'est français. Bonjour Alex Ross. D'accord. <ouais. rire> Il est en train de manger son yaourt. C'est ça, je viens de le finir. Ah bon. Ah, les yaourts. Moi je suis pas un gars des yaourts. Pas de mission. Pas de mission. Mais monsieur Maurice. Monsieur Maurice, attends, il meurt, attends. Monsieur Maurice, ne meurs pas. Monsieur Maurice, vous m'avez pas touché aux bananes. Ah bon, ah Miguel. Miguel. Alex et Junior. Pourquoi? Ah, parce que t'es un guerrier. Comme ça, voilà. C'est le jeune guerrier tigre. C'est ça. Gratuit. Je te prends sous mon aile. En fait. Dans son vocal. Non, tu fais des attaques pistolet haut quand même. Du coup. Tu préfères être Maurice alors? Non. Dis-moi pas que tu préfères être comment il s'appelle l'autre là? Patricia. Non, pas Patricia. L'autre. Albert non? Attends. Bob et Al. Allez Bob. Non, l'autre là qui invente toujours les machines et qui... Ah Albert, c'est... Non, non. Non, 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 c'est... Gilbert. Gilbert. Ah, tu vois, c'est pas Gilbert, ouais. Tu peux faire Gilbert. À quoi? Gilbert, c'est... C'est Nelotte. C'est dur de vous suivre des fois. Non, Gilbert c'est Icarie. Ah, on a perdu la don. Ouais, je me suis pris le Tank Buster. On rappelle bien de se cacher. Ouais, mais j'ai le temps de DPS encore. Bon allez, moi je vais couper Discord. Ça marche. Bonne série. Bon courage pour demain. Merci. Elle a quoi demain? Elle bosse. Ah, moi j'ai cru que. Ah, un truc à faire. Hein? J'ai cru qu'elle avait un truc à faire, quoi, tu l'as dit. Elle a bossé. Non, oui, non, mais je veux dire autre chose que bosser. Ah, bah, supporter ses collègues. Ok d'accord, vie de merde. Le mec quoi. Respirer, parler aux gens. Supporter sa pute de collègue. Sa pute de chef. Tous des putes. Hier mon chef il dit y'en a combien de filles dans le magasin? Je fais 4 avec l'apprenti. Dis moi on en a trop. Non y'en a pas assez. Dis arrête, on t'embauche une apprentie, tu veux même pas y sauter dessus. Je fais, mais non, prends le temps de tâter le terrain. L'adon qui tâte le terrain, tel un chasseur. Il fait le... les rananouches. Il fait le beau gosse. Quoi? Un, deux, un, c'est un... Il enlève ses lunettes de manière swag et il se gratte la barbe.
le swag. Après, la photo que je t'ai montrée, elle date d'il y a 8 ans, 9 ans. Hein. Non, t'avais dit que c'était là-bas longtemps parce que je t'étais laissé la barbe. Oui, non, mais c'est... Quoi, la version, elle change? Quoi, la version, l'explication, elle change, hein? J'ai hein la barbe aussi longue. À la base, c'était que pour Sam, pour lui demander s'il l'avait aussi longue, la barbe. Je sais pas où me TP. Ce Sem s'en est un filou, t'inquiète pas lui. Un filou. Ouais, un filou tube. Le Sem qui a. Le filou tube. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tube? Des fruits de l'eau de source, chef. Non, ça c'est la Oasis. Des fruits. Ah ouais, quand il faisait la pub où c'est des soldats. On est des tubes, nous nanana. On n'est pas des pros, on a tout ce qu'il vous faut. Des fruits. Du fromage frais, ouais. Du fromage frais. Putain, mais vous vous rappelez tellement des... Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce tube? Des fruits, du fromage frais, chef. Oui. C'est la motivation des hommes, quoi. Ah, mais moi je me souvenais plus, quand j'étais gamin, je me souvenais plus des pubs. Hein. Non. Je me souvenais plus des pubs que des la pub Mercurochrome. Qui sait que ça a jamais oui, non, mais... non mais Mercurochrome, le pansement des héros. Tu oui, il y a les classiques. Mercurochrome, le pansement des héros. C'est trois fois la suite. Non mais c'est bon quoi. Comme le comme la pub aussi, les pruneaux machin. C'est pour te ramollir le cerveau. C'est ça. Les vrais strats. Et le pire, c'est que c'est autorisé parce que le spot publicitaire ne doit pas dépasser 30 secondes. Alors du coup, vu que ça dure pas longtemps, ben... Non mais nous, on s'est fait ramollir le cerveau quand on était petits, toutes les conneries qu'on mettait à la télé. Mais tant mieux. C'était on avait Dragon Ball Z, on avait des bons trucs, pas de la merde. On avait les... Comment ça s'appelait là, les chevaliers, les oh, chevaliers. Imagine tu retires le Japon. Ah bah, bah, c'est mort. On arrive plus rien. Imagine tu retires le Japon. Moi je parle de notre... Bien, de, bonjour, des gens... les, bonjour les croissants là, je sais pas quoi. Moi je parle des gens de chez nous, tu vois. Les mecs qui nous ont détruits. Les Japonais, eux, ils étaient déjà dans le futur, je suis d'accord. Dans le turfu. Tu regardais Dragon Ball, t'apprenais à être un vrai homme. Exactement, avec Vegeta qui apprend malgré sa fierté à accepter de fusionner avec Goku. C'était et craqué. Et qui lui dit bon. Krillin qui meurt et tout, l'amitié, les larmes d'homme. Et Goku il chiale et tout, sang, c'est parce craqué. Que du coup, c'était censuré. Non mais il n'y a jamais eu de sang de toute façon. Non. Enfin si un peu, ouais. Mais. C'est... Y'a rien. Bah y'a un peu. À peine, y'a rien du tout. Et ils ont du sang sur la joue. Voilà, oh mon dieu. Ah, je saigne du nez. Oh mon dieu. Et là, il s'est pris juste à un gros gamin à la gueule. Il se fait briser le bras. Mais genre, y a pas un petit os qui sort, tu vois. Enfin, de trop, c'est. Meilleur, c'est les Namek. Que ça repousse. Ah, je vais niquer sa LB à l'autre. Ah, il doit être dégoûté. Comme la queue, ça repousse. Des fois, tu sors des trucs au pif, j'ai l'impression. C'est ça, non mais je pif. Tu te dis, ça va, ça passe. Ce soir. Puis comme je sais que des moments vous m'écoutez un mot sur quatre, alors. Voilà, hop, on entend toujours le pire de tous. Et qu'est-ce qu'on a comme loot? Ah, besoin. Passer. Des. Pourquoi y'a jamais. Passer. Besoin. Comment ça, je peux passer? Passer. Vous avez besoin d'un truc sur le Red 24? Non, c'est juste que. Oh, je recycle. Ouais, moi aussi. Elle a même pas eu d'honneur. Je vais dire ça, mais à mon avis. Aucun. Oh. Il connaît la vérité là-don, et en plus, il est en dehors du labyrinthe. Crafter de la musique si veut. Moi j'ai eu les deux orchestrions encore. Ouais, j'ai vu.
connais, c'est pour ça que je disais que tu connaissais la vérité, et en plus, tu, la sortie de la vérité et la sortie du labyrinthe. La sortie de la vérité. La vérité est sortie de la bouche des enfants. Enfin. Petit voilà. Bateau! Pourquoi inventer des vêtements si tu n'as pas rien perdre de temps? Ouais, là, là, ça a été associé à. Petit bateau, si tu n'as pas d'aile. Tu peux pas. Ouais, tu veux retourner sur un banast? T'es sûr que t'as envie de retourner dessus? Peut-être, hein. Non. Non. Savoir, je vais. Tu sais, me gérer les mes servants, les renvoyer. Et après, faire mon gold sister et voilà, après je m'en vais. Là, on a que 2000 HP d'écart. Hein. Oui. Ça bouge pas. Bon, mes servants ils me ramènent pas la mascotte, je voulais t'enfiler une, mais. Pourquoi tu l'as déjà eu? Bah, j'ai eu l'autre, tu sais, le petit, petit raton, ouais. Là, j'ai déjà eu une fois. J'arrive pas à le ravoir. Le Puncu, là, le. Mais il vaut plus rien, je crois. Bon, pourquoi tu l'as acheté? Bien sûr. Ah, mais tu vois, il était même pas à 200k. Ah, ça va. Ça va. C'est rien, 200k. Moi, je veux le bébé Brachiosaur, mais il est passé. Mais on l'a sur quoi ce bébé beaucoup. Il est 175k le but. Il est sur les anciens diadèmes. Ah oui, oulala, d'accord. Et il est moins rare que. Il tomberait pas par exemple sur les cartes. Non. Parce que je sais que la buse elle sort sur les nouvelles cartes. Sur les gazelles. Oui. S'il y en a plein. Mais t'as vu le prix de la buse encore? Oui, là, oui, mais c'est pour ça. Mais après, moi je m'en fiche. La buse, elle vaut... Ah bah ça va, la baisser, elle vaut plus que 2,8 millions. Ça va. Dire que Dia a voulu escroquer Mira là-dessus. Ouais, mais c'est pour mon anniversaire. Mon anniversaire, il est passé déjà. Non, mais c'est l'anniversaire d'un copain. Alors qu'elle était pétée de thunes. Ça, j'arrive pas. C'est ça. T'as pas de thunes, t'essayes de. Et pourquoi pas? Putain, ils la vendent trop cher, fais chier. De quoi? L'armure d'incantateur en Rami Indigo là. L'armure de Rami. Ça me fout jamais. 1,5 million, c'est bon. Elle a fait en carte. Je vais faire comme ça. Et ouais, c'est quoi cette porte qui donne sur un mur? Le mur donne sur une autre porte. Non, juste genre instant. Comme si la porte elle était collée au mur, tu ouvres la porte, il y a le mur direct. Ça. Mais c'est même pas un. Bon bah je referme la porte. Hein. Je vais d'avoir dérangé. On va aller ici. Étendue de Ragnar. Il y a un nouvel event aussi. L'event de Radas Prout. Prout. Hein. Que je vais pas faire parce que j'ai fait l'année dernière, c'est le même. Donne quoi? Une tenue. C'est-à-dire? Une bête tenue ou une tenue ça va? Ouais, c'est la tenue normale. Hein. C'est un truc que tu peux pas atteindre, que tu peux rien faire. Non, donc mais je veux dire, c'est une tenue putain. Stylée ou c'est quoi? Non, elle est pour aller rouge, elle est pour tip top. Ok. C'est pas une tenue où t'as à poil non plus. D'accord. Putain, ça a l'air d'être trop bon, mais quand tu vois ce que tu mets dedans. Oh. Des pâtes, du fromage à raclette, de la crème, enfin du lait, des œufs. Ouais. Des tas de bonnes choses. Du bacon.
du bacon. Tu vois, quand tu vois ce qu'il y a dedans, tu fais ah, ok, bon, bah, c'est bon. Un gâteau de spaghetti à la raclette, ça s'appelle. Au moins, il n'y a pas trop de gras dedans, ça. Non. Juste le nom. Le nom, il est plein de gras. Aïe. Ah, cosmogonique magie. Donc ça, on a dit que c'était pas top. Je suis perdu, mais c'est par où, les gars, vous... Ça, on a dit qu'on prenait. J'ai dit qu'on prenait le pantalon. Et qu'on prenait les gants. Hop là, voilà. Il manquera la ceinture aussi. Hop, ça. Ça, on fait comme ça. Ah, putain. Comme ça. Ça, on ferme ça. Homme de soldat anonyme. Très bien. Tu dépasses les bornes des limites, Maurice. Toujours plus loin, plus fort, plus vite. Jusqu'au bout. Moi, ce qui de me fait planer. Limite. Hier, j'ai regardé le 7ème épisode ou 6ème. C'est le 6ème épisode de. De la garce à arrière. Non, non, non. Sword Art Online. Sword Art Online, tu vois, mon frère m'en avait parlé. C'est vrai comme qu'il y a un manga et, de ça. Et je regarde. Aïe! Et j'entends à un moment, il est avec une. Truc, en fait, c'est un peu comme un MMO. Il va chez une forgeron. Ouais, et dans ça. La boutique, t'as la musique de. Comment ça s'appelle? C'était sur Super NES. J'ai reconnu tout de suite, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. De Chrono Tiger. Oh la classe! J'ai fait, mais. Attends, mais je connais cette musique. J'ai tellement joué. Et je regarde cet épisode, je fais, oh, vas-y, ils ont utilisé la même musique. Et je l'ai refait, je dis, ah, super. Il était bien, Chrono Tiger. Là, je vais l'avoir. Mais tu sais que. Ils ont sorti, tu sais, la mini Super NES. Oui. Ouais. Oui. Et bah, ils ont pas mis Chrono Tiger dedans. Ils ont préféré mettre un jeu de combat que personne jouait, alors que c'est censé avoir les 10 meilleurs jeux ou les 20 meilleurs. Non, y'a pas de. Et ils ont mis Secret of Mana, ils ont mis certes Secret of Mana, il est très bien. Mais tu mets Chrono Tiger. Est-ce qu'il y a le 2 Non. T'as que le 1. Mais par contre, tu peux. Non, mais tu peux la craquer la console et mettre le jeu. Bah oui, parce que enfin, c'est le 2 le mieux. Frère. Enfin, c'est Ken 3 quoi. Il faudrait que je me la prenne. Et de toute façon, je sais déjà ce qu'il va m'offrir à Noël. Il va m'offrir avec Chrono Tiger. Je sais que c'est un jeu que ça. Ouais, il est craqué le jeu. Il est magnifique celui-là. Du coup, tu sais la brancher en HDMI. Est-ce que j'ouvre ça? Oui, tu la branches en HDMI, bien sûr. Oui, c'est juste une PC Engine qui est. Voilà. Ça, c'est une mini console. Le seul truc en fait qu'ils font, ils font tout en mini, c'est-à-dire même le câble de la manette, il est tout petit. Ça sert à rien. Donc après, il te faut une rallonge USB. Moi, comme pour la PS4. USB. PS4, il te nique le câble à te le mettre à 1 mètre, 1m50 max. Tu rachètes au lieu de. Et après, ils te vendent le câble à côté, mais bon, ils ont payé ça 30 boules. Tu sais, un câble avec adaptateur HDMI A et USB A et USB B, alors que tu prends un rallonge USB et ça coûte 4€. Tu prends juste le USB normal sur le USB normal pour 5 secondes. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Ne dis rien, pauvre fou. C'est ça. Flamme d'Odoun. Arrête. Flamme d'Odoun. Vous ne passerez pas. Vous n'aurez pas froid. C'est une flamme d'eau douce. D'eau douce, j'avoue. Flamme d'eau douce. N'importe quoi. Ah, du forgeron, une clé mort. Ouais, 10 pour un chiffre rond. Ouais, bon. Je sais plus. Ouais, je vais mettre de la vigueur. Ah mais elle a fait son rabanastre, putain. Qui? Alix. Pas tu. Flamme de doudou.
Putain, c'est qu'elle avait du temps. Elle était désespérée. Alors, une papille d'anisation. Elle le fait jamais d'habitude. Pépitaro, mais j'y suis 5. Du matériel 4400. Pépite du bar qu'elle a eu. Waouh, une maxi éther. Putain, ça vaut cher les maxi éther. Putain. Ah bon? Oh oui, ça vaut 6000 gils. Oh. Putain, je vais vendre des maxi éther. Et non HQ. HQ, ah, je vais me faire combien ça vaut. J'aurais dû vendre des maxi éther toute ma vie. Et tu peux encore, hein. Rien ne t'empêche. Ouais, le jeu il est nul pour le moment. On verra au prochain patch. Comment ça il est nul là? Pas nul. Ah. Moi je vais parler par respect. Prêtez serment auprès des gardes de cloche. Moi, les gardes de la cloche. Les j'ai gardes jamais de la gardé cloche. De cloche de ma vie, moi je m'y connais pas. Alors ah oui, si, il faut que j'aille je vais aller prendre la quête des autres là aussi. Ouais, bon, j'y ferai peut-être demain. Mec. Putain. Il y a des gnomes, ils me parlent mal, mec. Ah bon, les gnomes. Je suis un gnome. Est-ce que c'est un méchant? Révélez votre identité, je suis une mythe en... Négatif. Et vous, catégorisez d'un genre humain. Non, je suis une mythe en plus. Négatif. Va te faire enculer! Oh, on a trouvé quoi. Corben Dallas. Corben. On vous envoie quelqu'un pour négocier. Ah bon? L'esprit sombre de garde-cloche vous a envahi, non? Où est-ce qu'il a appris à négocier? Mec, il y a des gnomes, ils m'envahissent. Putain. Mais mec... Mais où est-ce qu'il a appris à négocier? Dans un pays loin et lointain. Far, far away. C'est ça, dans une galaxie. Far, far away. Mec, ça fait peur. Ouais. Oh la fou. J'entends des bruits de pas. Je tombe ici. Y'a pas d'ennemis. Je suis en train de tout vendre. Tout ce que je viens de mettre en vente, ça c'est tout parti là. C'est cool. Anneau de pierre des lames bleues. Ok. Je suis un peu une épée bleue, moi. On casse toutes les caisses, hein. Bon, 119, ensuite. Ça fait combien de temps que Rabanastre est sorti? Deux semaines ou trois? Deux semaines? Cinq enfin, semaines, non? Ouais, il était sorti en même temps que l'Ultimate, non? Oui. Non, l'Ultimate est sorti 15 jours après. Ah bah tu rajoutes deux, donc ouais, ouais, 4 ou mois. 5 semaines. Un mois, oui. Ça fait un mois, je pense. Pourquoi? Non, comme ça, je regarde un truc. De toute façon, tu regardes combien t'as de loot si tu les as fait, j'ai... Voilà. Non, moi je les ai pris. Il les a utilisés. Pas que tu les dis. Oui, non, mais tu regardes combien t'as eu de. Ah, ouais. Je ne sais trop quoi, le truc. C'est bon. Ouais, c'est bon. Poudre Gagana. Personne. Un pyro, franchement. Franchement, mon épée est trop grande. Des fois, je suis dans un couloir. Elle veut pas slider, tu vois, elle est là. Et merde, y a des murs partout. Dans ce cas, faut détruire les murs. En temps normal. Et puis y'a plus de problème.
un échange. Ah oui, là, je vais voir Miramis. Je vais voir de bas. Ah bah je crois que moi il me fait comme Alix et toi en fait. Tu vas aller voir Mutamix. Non, voir mon Lix. Exactement. Oh, y'a des nains partout. Non. Arrêtez. Y'a des nains. Non. Non. Mais mec, c'est des nains archégnomes. Ils étaient trop nombreux. Ils étaient 6. Du coup, j'ai eu du mal. Ben, Jigo. Jigo. J apostrophe Y, go. Oui. Bonne nuit. Et après, j'ai mis Jigo comme un gigot d'âne. Oui, pourquoi ? Ça veut dire la même chose. Ah oui. Oui, bah oui. Jigo et Jigo. Jigo et Jigo. Bien cuit. C'est pas mal. Ah non, pas bien cuit. Ouais. Rosé à l'arête. Comme le poisson. Ah, hop, on éteint ça. Bien, Claude. Mais merde, il y a des trous dans le sol. Putain, mais quel pays de merde. Tu es Capi Sama, t'as quelque chose à faire. L'autre il me dit quoi, tu m'insultes là? Non, mais non. Les mecs, ils ont des grenades. Une grenade. Je te jure. Grenade, ça va péter. C'est des gnomes, ils sont bien équipés. Hein. Je fais à Ryu, tu veux faire quelque chose? Il me dit, bah vu qu'au 3S n'a plus de secret, reste pas grand chose. Bah là, oui. Bah si, le 4, on n'a rien. Ah mais c'est ça qu'il veut dire, non? Ou alors j'ai mal compris. Il reste pas grand chose, donc il reste qu'un truc à faire. C'est ça. Bon allez, sur ce, je vous laisse là. J'ai entendu le 4. A, 2, 1. Demain, 23h et quelques. À plus. Voilà. À plus tard. À un jour. Voilà. Un de ces jours. Ça marche. Bah, allez, ciao. Ciao, Pierrot. Bon courage pour demain. Merci, ciao. Mec, ils m'attendent tous en haut d'une échelle. Et ils me regardent... bizarrement. Ouais, comme des gnomes. J'essaye de mind game l'IA pour qu'ils tombent dans le trou, en fait. De l'échelle. Mais ils ont l'air cons. Ils ont pas très... ils ont pas l'air très... très coopératifs. Ah. Ah, y'a des murs invisibles, c'est vrai. C'est un jeu pourri. Ah, j'ai plus de carreaux. Putain. Ouais, moi aussi, du coup, je te demande. Bonne nuit, mec. Bonne soirée, à demain. À demain. Courage aussi, du coup, parce que t'as un collègue. Non, moi, demain, collègue, je bosse pas, mais je vais. Demain, ça repose, mais je suis mort. Pourquoi que si t'es arrivé? Je suis crevé. Mal dormi. Hein? Mal dormi. Ouais, ça fait 2-3 jours, je dors mal. Tristesse. Le froid, ça les crève. Oh, moi aussi j'ai attrapé un peu froid. Et je pique du nez. Comme un avion de chasse. Allez, à tout le monde. Bonne nuit, ouais. Allez, on se la joue kite. Mais non!
c'est bon. Putain, ils m'ont tellement gangbang la première fois. Il suffisait de courir un peu. Arc de garde-cloche. Il y avait un coffre, oui, je l'ai vu. Donc là, il n'y avait plus rien. Faut que je revoie le levier, c'est que c'est sûr. Oui, c'est sûr. Hop là. Ça. Alors, est-ce qu'il y a un carreau d'arbalète? Non. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de trucs piégés, hein. Du coup, jour. Je vais pouvoir aller combattre les gargouilles. J'arrive, du coup. Du coup, on va tester le boss. Je vais aller dépenser mes armes. On va surtout prendre un caillou. Ouais, mais en fait, si on a 15 milliards qu'on attend. Super agressif, au moins. On nous respecte le feu là.
Ok. Ok, ça passe. Ça passe. Ça passe. Le rituel du sud, tu fais quoi? Ajoute des emplacements de sorts, d'accord, c'est la merde. Exception PV, je sais pas. La défense campée sont bas, d'accord. Oh, un feu. Bon ben... On va dépenser les hommes. En vigueur, puis on verra. Du coup, il y avait quoi après? Du coup, faut aller où? On est chez ici, mais non. Oh! Ah, trop de chiens, barre-toi le jeu. S'il y a rien. Bon, je vais descendre et y aller full face. Il faut espérer que ça passe en fait. Ah ouais, d'accord. Oh. Très bien. Ça bouge comment celle-là? Bon, m'en fous moi si je bois. Et voilà. Barre-toi le Kleps. Faucon enchanté. Tain, du coup, pendant que je combats les chiens, il serait venu me poker à autre truc si j'avais pas défoncé tous les chiens très rapidement. Ce jeu. Dent de dragon. Dent de dragon, c'est pas la super arme abusée.
Ah mais si. Oh. Du coup c'est tout en fait. Du coup c'est tout pour ici je crois et je sais pas où est la suite. C'est de feu. Enfin c'est ouais mais je fais pas ça. Hein. Boîte à objets on s'en fout, brûler on peut pas. Ouais.